Eh bien, salut tout le monde, c'est Elio, et donc aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de notre Let's Play sur Minecraft. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai tous mes outils en diamant, donc je fais énormément de minage et tout. Alors, je tiens à signaler que cette pioche, je l'avais au dernier épisode, et j'ai acheté une autre pioche, et j'ai eu un Fortune 3 Efficiency 4. Et donc c'est nickel, du coup ça permet de faire Efficiency 5 et Fortune 3. Et c'est là j'ai eu directement. Ah non, non, j'ai pas eu directement, j'ai eu un Efficiency 4, c'est le Touch 1 et un Breaking 3. Et puis j'ai eu une autre pioche, Efficiency 4 qui traînait, alors c'est bon. L'arc il est pas génial non plus, hein. C'est juste un Flame 1 Power 4, un Breaking 3. Une hache, mais parce que j'ai coupé mal de bois pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Et une épée toute simple, Sharpness 4, j'ai pas amélioré. Et puis une pioche, une pelle. Donc voilà, tout ça c'est nickel. Donc oula. Voilà. Donc aujourd'hui, on est là, déjà je vais nourrir un petit peu les vaches pour que ça fasse un petit peu d'XP. Toujours. Donc aujourd'hui je vais couper pas mal de bois. Comme vous pouvez le voir, les feuilles sont encore en train de. Ah non, c'est bon. Donc je vais aller récupérer les pousses. Voilà, c'est bon, c'est fait. Et vous voyez que je suis déjà level 10. Donc c'est hyper rapide. On ira les tuer tout à l'heure. Hein. Pauvre vache. Alors non, il n'y a pas de pouce ici. Donc je vais vous montrer dans les coffres tout ce que j'ai récupéré de ma petite séance minage. Enfin petite. De plusieurs heures. Oula. Il y a des petits lags là. Je suis pas. Ou en FPS. Oula. Voilà. Donc. Ici ça a pas changé hein, depuis le dernier épisode, ça a éventuellement poussé. Bon, de toute façon on va aller virer les champs. Je fais quelque chose. Ah oui, encore du fer. Donc, ça c'est tout ce que j'ai ramené de ma séance de minage. Donc vous pouvez voir, j'ai trouvé 16 diamants, 3 stacks de redstone. Donc ce que j'avais avant aussi. Donc c'est énorme, c'est un truc de ouf. Vraiment, j'ai bien bossé, donc je suis allé aux alentours, super loin. Je suis allé pas mal loin en fait, je crois. Hop, voilà, on dépose tout. Et donc aujourd'hui, l'épisode. Aujourd'hui, bon, je vais pas vous spoiler sur ce qu'on va faire. Là, en fait, tout de suite, là, je vais aller faire du terraforming. Donc, j'aimerais bien faire un. En fait, j'aurais bien aimé faire un timelapse avec un deuxième compte, mais je n'ai pas de deuxième compte à disposition. Alors je vais filmer à la première personne, enfin comme ça, ouais, comme vous me voyez, et je vais accélérer le temps. En fait, je vais aplatir tout cet endroit. Je vais peut-être baisser les vaches, je sais pas, on verra. Pour pouvoir faire la maison, voilà. Donc je vous l'ai dit, on va faire la maison aujourd'hui. On va pas aller dans le Nether, comme je vous l'ai dit au dernier épisode, on va faire la maison. Ça va être, c'est pour ça que j'ai réuni pas mal de bois, comme vous avez pu le voir sur le coffre de tout en haut. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, ces arbres ils sont super pratiques parce que vous en coupez un, ça vous fait directement 40 bûches, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, là c'est ce qu'on va utiliser et il faudrait que j'aille récupérer un petit peu de sable aussi. Ça pourrait être bien. Donc, moi je vous dis à tout de suite et bon timelapse. Allez, au revoir.
Et re tout le monde, donc voilà, le terraforming est fini. J'ai rassemblé toutes, à peu près toutes les ressources qu'il me fallait. Donc je suis allé mettre un petit peu de sable, voilà. Et donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc là-bas, j'ai continué un petit peu hors caméra ici. Hein. Faudra que je change par de la dirt. D'ailleurs, en parlant de dirt, il y a toujours les vaches ici, mais en parlant de dirt, voilà. Voilà ce que ça fait. Donc on va construire ça ici, hein, la maison. Là, je pense qu'il y a assez d'espace. Bon, écoutez, on va commencer par la porte. 6. Je pense en faire plutôt une grande porte. Attendez, je cherchais juste. Juste prendre, voilà, ma hache. Parfait. Voilà. On va plutôt la mettre en 4 à la porte. 4, 5, 5, 6, parfait. Alors, je pense que, hop, on va faire comme ça. Bon, écoutez, on va faire basique, hein. C'est pas non plus obligé d'être ce maison, la maison de ouf. Non, on va mettre ça comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Je pense que comme ça c'est bien. Non. Non, non, ça. Quoique. Non, ça va pas. Touch me. Merci. Hop là. Voilà. Touch me, c'est juste la pickaxe qui s'appelle comme ça. À l'époque, vous imaginez les choses. Hein. Donc, voilà, ça c'est bon. Oh, punaise. Toujours des petits freeze de temps en temps. Donc je ne sais, j'ai vraiment aucune idée à combien on en est dans l'épisode. Voilà. En fait, on va prendre un petit peu des sticks. Vont faire pas mal. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Parfait. Et ensuite, on va faire des barrières parce que les, oups, les barrières c'est toujours bien pour l'écho. Oh, parfait. Hein, 16. Ok. C'est bizarre que j'en ai eu si peu. On va en prendre plus, hein. Voilà. Oh, putain, ça coûte cher les barrières. Donc là, je vais juste commencer. Je pense que je vais faire un petit pattern vite fait. Et puis on va s'arrêter là pour cet épisode. Peut-être que je rajouterai du de la sandstone. Je sais pas si je peux mettre ça. Je sais pas si ça va avec. Des grandes fenêtres. Écoutez, on va faire comme ça. Écoutez, c'est basique, hein, mais bon. On peut pas toujours faire super bien. La phrase du jour, attention. Non, ça va être moche si on fait ça. On va faire juste comme ça, faire une sorte de petit pilier. Hein, quoique. Non, je pense que ça suffira comme ça.
Voilà. Alors. On va pas de côté. Oups. Et en continuant vers le sol. Oups. C'est vrai, j'ai oublié. Donc, pour le sol, je pense que. Faire comme ça, écoutez, le truc habituel. Ça, ce sera une sorte d'allée principale. Hein. Ouais. Pas ici. Voilà. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Faire ça comme ça. Ça a coûté cher en bûche, mais bon. Comme vous voyez, on a une grande forêt à côté. Donc, niveau bûche, ce sera bon. Je pense. Hop. Je me mélange juste pour pas trop creuser parce que sinon je dois reboucher. Donc je suis pas super fort en architecture, hein, mais bon. Je crois que j'ai quand même des bases. Bon, je pense que cet épisode va toucher à sa fin parce que je pense qu'il est assez long comme ça. Enfin, vous voyez, je l'ai commencé il y a 50 minutes, donc je pense que c'est bon. Enfin, avec le timelapse inclus, évidemment. Donc, voilà. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Ça nous ferait toujours plaisir, ainsi que de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Voilà, bon, bah, moi je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.